Hey, salut. À cause de moi, au lieu d'arriver à 10h, ben, on est arrivé à midi. Non, 13h42. Voilà, bon, nous sommes à la gare TGV, le petit café. 8 euros, ouais. Et nous sommes éclatés. Et voilà, nous sommes arrivés. Nous sommes à l'hôtel Cheyenne. Et qui on voit ici? C'est Charlie. Hi. Hi. On va aller, ben, je sais pas ce qu'il y a, comment ça va se passer. Disneyland. Le parc Disneyland, demain on se fait studio le matin, comme ça il y a moins de monde parce que là c'est blindé. Genre, si on y va maintenant, en fait j'ai peur qu'on fasse qu'une seule attraction il y a 15 minutes, donc la tour de la terreur qu'on voulait faire. Et après qu'on doit repartir dans le truc Disneyland, ça va nous faire perdre la masse de temps. Du coup, on préfère faire Disneyland aujourd'hui, tout Disneyland. Et après, au final, si on a le temps en fin de soirée, on va à studio. Mais sinon, voilà. Comme ça, on fait la tour de la terreur. Voilà, on garde le sourire. On garde le sourire. Et voici, nous sommes là, dans notre village, Cheyenne. Allez, on a il est pressé. Il faut qu'on aille aux boutiques et tout là. Regardez. Les boutiques, pour quoi faire? Voilà, nous y sommes. Vous voyez la tour de la terreur. Enfin, vous voyez Charlie? En quelques mois, ses cheveux ont poussé. Incroyable, mais vrai. Voilà, premier jour, nous arrivons à l'entrée de Disneyland de Paris. Hop, vous voyez la montgolfière de je sais pas qui. Voilà, on va à Disney Store. J'ai acheté quelques petits trucs en souvenir et au moins être thématisé avec le parc Disneyland. Bref, on y va. Charlie qui est pas trop patient, monsieur veut entrer, monsieur veut se changer. Monsieur va être nickel. Voilà, voilà. Bon, où nous sommes, Charlie? C'est de l'entrée de Disneyland. Allons-y. On n'a plus le temps de filmer, désolé. Voilà, on va rentrer ici. Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour. Qui vous plaît? Ça y est. C'est passé. Let's go. Voilà, voilà. Ben voilà, nous y sommes, on se rapproche du parc, on se rapproche du château. Charlie, il a pu se changer, il est beaucoup mieux comme ça. Hop, on marche. Et il est tout, tout mignon. Il est parfait comme ça. 30 ? C'était marqué 5. Il n'y a pas que toi là. On va faire Hyperspace Mountain. Let's go. Va bien falloir que je tienne ma casquette, je vous le dis. Le bruit, ça fait flipper, wesh. Putain. Vous venez de prendre des sons? Non, mais attends, attends. Il y a quelqu'un d'autre qui va arriver, tu vas entendre. Moi? Pardon. Là, écoute-moi. Alors, Space Mountain. Space Mountain, c'est la photo, clairement. J'étais comme ça. Genre, je tenais ma perruque pour. Ma wig pour pas qu'elle s'envole. J'ai eu très peur. Mais en vrai, c'est sympa. Ça donne juste un peu des vertiges, mais. Des vertiges? Niveau sensation, c'est pas waouh quoi. Genre, ça m'a pas fait. Tu vois, genre, en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est vraiment les descentes. Et Space Mountain, il n'y a pas vraiment de descente. C'est genre sur le côté ou. C'est pas vraiment. Ouais, c'est plus des inversions, genre. Ouais, des vertiges et tout. Le lancement n'est pas hyper impressionnant. Bon, après, on a fait déjà Furious Baco et tout, donc forcément, c'était pas hyper impressionnant le lancement. Mais vu que c'est en pente, ça ralentit bien plus vite. Puis à la fin de la montée, c'est pas une grande descente, c'est genre juste un petit virage comme ça. Donc en gros, pour ceux qui ont peur, moi je dis faites-le, ça fait pas peur. Quoi, Ludovic? Personnage et secondaire. C'est ça. C'est un roller coaster. Pas du tout, pas du tout. T'as vu comme c'est mignon? Ouais. C'est si chou. Voilà. Ça c'est la méchante. Le tour est joué. C'est un peu glauque, là.
Les arbres ils se penchent, ouais. T'as vu les arbres, ils bougent, ouais. Comme c'est bien. Bon, bah c'était grave mignon, genre franchement. Blanche-Neige, t'en as pensé quoi? Oh, c'est génial! C'est grave mignon! Nous sommes dans le noir. C'est d'ambiance sur ce bateau? Ouais. Ah, mais regarde, je l'ai pas vu, moi! Ouais. Attention à la descente. Là, regarde dans le tonneau. Là, tu le vois? Ouais. La décalée, c'était grave cool. T'en as pensé quoi? Quoi, c'est génial. C'est vraiment trop bien fait. Là, on va à Indiana Jones, donc on passera les cascades. Bon, Indiana Jones. C'est la cabane comme vous. Vous savez où? Ah oui, c'est ça. Yes. Il est tout devant. Refaire en fait, mais ils ont fermé. Clairement, ils ont fermé la file d'attente, donc on peut plus y aller. T'en as pensé quoi?
putain, qu'est-ce que c'est régalé. Franchement, il est grave cool, genre vraiment. Il est mieux que le Space Mountain. Hein. Il est mieux que le Shangri-La. Non, quand même pas. Quand même pas. Mais il est vachement cool. Et là, on va essayer de faire le Big Thunder Mountain au train de la mine. Vic, ton avis ? Incroyable. Oh, génial. C'était sympa. Super. Mais c'est un peu mou quand même, non ? Non, c'est franchement. Ouais. Moi, je croyais que ça allait pas hyper vite. Mais bref. Genre, ça fait pas énormément de sensations, quoi. Mais bon. C'était cool quand même, genre. La fin, c'était sympa. Regardez cette énergie humaine, il part toujours, je sais pas où. Là, on s'est décidé à faire quoi, Ludovic ? De la terreur. Je me suis dit. On va essayer de filmer. Walt Disney Studio. On va aller à la tour de la terreur. Est-ce que t'es à l'aise? Oui, tant que je suis pas assis. J'ai super. Pour la santé, la tour de terreur, elle est rapide. Attention, on rentre. Waouh. Et boum. Nous voici dans le studio de Walt Disney. Vas-y, t'inquiète pas, j'arrive. Et voilà, on arrive. La destination, The Hollywood Tower Hotel. Ça va pas du tout. Charlie est en train de se chier dessus. C'est pas mal, c'est pas mal. Attention, attention. Et en 3, 2, 1. Bisous. Bonjour. Merci. Merci, non, non, non. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Allez, on vous laisse ici. Ah ben. Pour pas faire des rassemblements. La file d'attente est peut-être bientôt terminée en fait. Ah ouais d'accord, non mais là j'ai envie de me pisser dessus. Bien à l'hôtel de la tour de la terreur. Le truc c'est un peu glauque. Ouais. Moi il y avait un petit film, tu sais, t'arrêtais là. Thank you.
pas dans le sac, s'il vous plaît. Ça y est, on l'a fait. Bon, bah, le mec nous a clairement vu filmer, du coup, il nous a dit d'arrêter. Dommage, mais waouh. Waouh. Là, j'ai vraiment été choquée. Et avant de dire que ça, ça me faisait peur, genre les petits parachutes. Non, ça fait plus de sensations que Rakan Condor. Ah non, mais c'est. Je suis de malade, ça remonte. Ah ouais, non. Tu sais jamais combien tu vas descendre en fait. Et vraiment, ça fait des gros. Ah là, on est bon. Ah ouais, non, quelle horreur. Tu sais, ça fait clac. Clac, tu sais. Ah non. Terrible, mais génial, genre, je sais pas comment décrire. On va essayer de faire le. Bon, mais écoutez, on a fait Race Racer, franchement pas mal, beaucoup de sensations, vitesse, et wouh, regardez, et sacré descente, marche arrière, marche avant. Le Race Racer, c'était grave fou, genre génial, je trouvais ça grave cool, ça monte ce que dit, oui. C'est raide comme ça, arrière, ça fait des bons le cœur, genre franchement c'est grave cool, mes cheveux sont partis en couille. Voilà, ces petites touffes. Dommage qu'on n'ait pas pu prendre des vidéos, mais comme d'hab, on peut faire aucune attraction on peut, donc dommage. Là on va faire Nemo. En dernière vitesse, et je pense qu'après on arrête la journée là, on va manger à McDo, on va boire un coup parce qu'on n'en peut plus. Comme. Et après on va à l'hôtel, tranquillement. Je pense qu'il sera avant 19h30 et on pourra peut-être voir les personnages, je sais pas. Crush Coaster est une attraction de type montagne russe dans le noir qui vous fera descendre et tournoyer. Alors Ludovic, ton avis sur le Crush Coaster? Excellent. C'était grave cool. J'adore. Il est génial. Sensation forte et tout, mais... Non, c'était hyper drôle. En plus, on est resté bloqué dans la montée. Oh, je faisais peur, je dis c'est bon, on est resté coincé. Mais grave, et moi je te rends, mais non, arrête. Moi ça me faisait pas peur, mais. Attends, c'est là la sortie. Ah, mais j'avais juste envie d'y aller, quoi, parce qu'on avait attendu 45 minutes, je te rends. Bah non. On rigolait quand même à la d'y aller, quoi. Oh, c'était génial, vraiment. Oh là là. Trop beau. Au revoir, Hollywood. À demain. Putain, mais ça. Ça, c'est la peur de ma vie, genre, vraiment. Et demain, ça fait vraiment trop le peur. Le bonheur. Grave, 8h30, on arrive. Voilà, 8h30. Parce qu'on est un peu VIP, parce voilà, qu'on est dans l'hôtel. Après, on a sorti. Oh. Bienvenue à Disneyland. Putain, je m'attendais pas à les voir. Trop cool. Les cast members, ils nous ont fait une hola, genre ils nous ont dit de passer entre eux, genre ils étaient tous en ligne comme ça, ils nous ont fait hola comme ça, mais genre ils font ça à tous les visiteurs, c'est trop gentil, genre. Franchement, ils doivent en avoir marre après leur journée et tout, et ils font ça aux clients, c'est genre trop gentil, trop cool. Et franchement, les trois nouvelles versions de la Tour de la Terreur, bah, on a fait la moins pire apparemment, celle de tout à gauche, ouais. Je sais plus laquelle c'est, mais franchement, déjà la moins pire, j'ai eu la peur de ma vie, donc j'ai un peu peur pour demain quand on va faire les deux autres versions. Si on l'a fait assez pour les avoir, s'il y a les Magic Hours, ce serait cool au Disney Studio. Parce que Disneyland Paris, ben, on a déjà tout fait quoi. Enfin, quasiment. Puis c'est moins sensationnel, c'est moins intéressant. Première journée bilan. Wouhou. Ah là, je vais prendre une boisson XXL, tu vas pas comprendre. Après, je vais me prendre un petit burger à côté, mais petit, parce que franchement, j'ai pas la dalle. Alors, un burger 15 euros. Petit. Hein.